Donc toi, tu fais partie vraiment de l'école où la plupart des gens pensent que ouais, vas-y, va faire des longues études pour pouvoir gagner bien C'est ta ça. vie. Bah, en fait, enfin, c'est, enfin, en Afrique, en fait, enfin, moi, je suis originaire du Cameroun, mais c'est un peu l'éducation qu'on a, c'est-à-dire que si tu veux réussir, il faut des diplômes. Donc, j'ai plein d'amis à moi, ils se disent, ah, j'ai envie d'une augmentation, ils retournent à l'école, en fait. Alors qu'au final, c'est pas ça. Et moi, je partais dans cette logique-là, donc j'ai fait des études, j'ai fait des grandes écoles de commerce en France, en Angleterre. Je me suis lancé dans l'expertise comptable et je partais même pour faire un MBA aussi aux États-Unis. Donc, Ah j'avais passé ouais. le GMAT. Le GMAT, c'est un test que tu fais pour entrer dans les MBA genre Harvard, MIT, NYU, enfin toutes les grandes universités. Donc voilà, je partais dans la mauvaise direction en fait. Ah Donc c'est ouais. ça. Et c'est souvent rare les gens qui font de longues études qui arrivent à basculer comme ça Ouais. entrepreneuriat Bah parce que là parce t'as qu'ils pensent tout savoir dans le sens où Ouais. c'est en fait ils se remettent pas en question dans le sens où ils disent non moi j'ai tel diplôme, je suis docteur, je suis ingénieur, je suis avocat. Donc, en gros, tu peux plus, ils n'ont rien à apprendre d'autres personnes parce qu'ils sont, entre guillemets, déjà au top du top intellectuellement. Donc voilà, j'étais un peu comme ça avant en sortant d'école parce qu'on est formaté. Quand tu fais les grandes écoles, surtout après, quand tu rentres dans des grands cabinets internationaux, voilà, on te formate un peu comme ça. Donc, limite, tu planes, en fait, tu vois. Genre, tu vois, si tu te dis, non, mais je suis intouchable et tout, mais c'est après quand tu sais, moi, je suis toujours curieux dans le sens où j'essaie de trouver des solutions pour gagner un peu plus d'argent. Donc, c'est là que j'ai commencé avec l'immobilier. J'ai des résultats en immobilier. Après, je me suis dit, OK, je vais me lancer sur Internet. Et quand j'ai vu les résultats sur Internet, quand j'ai vu, en fait, ce qu'on peut faire dans le business en ligne et même coaching, consulting, etc., je me suis dit, non, mais c'est deux mondes parallèles, en fait. Moi, des fois, je dis à des amis, à moi, je leur dis, regardez, franchement, regardez ce qui se passe un peu à côté. Parce que ça se trouve, vous allez mourir sans même savoir qu'il y a un monde parallèle, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est vrai, c'est qu'il y a des personnes, elles se disent qu'il faut faire des études et il y a que ça, alors que il y a plein d'autres moyens de comment dire, de devenir financièrement prospérer et avoir du succès un peu enfin, par rapport à nos passions. Si tu es bon dans quelque chose, tu peux facilement mettre ça en avant et te créer la vie que tu souhaites, quoi. Et t'as pas hésité parce que quand même lâcher un métier comme expert comptable, t'as pas hésité Franchement, non. En fait, je me suis dit, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec un ami à moi, c'est que, voilà, dans tous les cas, on n'a rien à perdre dans le sens où, on est jeune déjà, premièrement, et de deux, on a des diplômes. Donc, je me suis dit, même si je me plante, je vais toquer à n'importe quel autre cabinet ou quelle autre banque ou quelle autre boîte et je vais retrouver un emploi. Donc, je me suis dit, bon, c'est là, j'ai moins de 30 ans, je me suis dit, voilà, si ça marche pas, je vais pas retravailler comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, entre guillemets. Donc, non, ça m'a pas forcément fait peur. Et honnêtement, j'ai bien fait de quitter mon emploi et de continuer pour générer plus de revenus parce que, avant de me lancer sur, enfin, de faire le coaching avec toi, j'avais massivement investi dans l'immobilier et je me suis pris des taxes foncières. Enfin, ici, on a ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. Donc, quand tu achètes un immeuble, on te souhaite la bienvenue en te faisant payer 1% du montant du bien. Donc, honnêtement, je me suis pris 15 000 dollars comme ça à payer. Donc, si j'avais pas fait ton coaching, je pense que j'aurais fait faillite, en fait, parce que j'aurais pas pu payer. Avec mon salaire, ça marchait pas. Donc, honnêtement, j'ai bien fait Je savais pas ça. Ah, j'ai bien fait de quitter parce que là, ah non, j'ai, tu sais, je voyais, en fait, je voyais le truc arriver comme un boomerang, là, je me suis dit, mais là, je vais me manger un truc, là, mais j'ai bien fait de quitter parce que finalement, ça m'a permis, de rembourser pas mal de dettes et payer ça et d'aller de l'avant, quoi, clairement, clairement. Et maintenant, aujourd'hui, t'es loin de tout ça, là. Ah, non, non, ça, c'est une plaie. En fait, j'ai l'impression qu'il y a, alors que ça fait que quelques mois, mais j'ai l'impression que ça fait quoi? Ça fait genre 3 ans, quoi. 2, 3 ans, donc ça va super vite. Ça va super vite, quoi.